Got gun, both left slot. Dixie left, he left. Mercedes, wide chip, Ricky. Bieber left, 75, Katie. Omaha, we're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 222 du podcast Jeune Actuel. Mathieu, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du mardi. Et le mardi, c'est débrief, évidemment. Nous sommes avec Grégory Richard. Grégory Richard, bonjour. Très bien, bonjour monsieur. Camille Sarabène, bonne année. Bonjour. Bonne année à Camille qui est à la technique avec nous. On continue sur notre rythme des vacances de Noël. On est à deux par émission parce que ça tourne un petit peu en ce moment. On vous souhaite évidemment la bienvenue si vous êtes sur le chat et que vous nous regardez en direct. Oui, on a notre premier petit bug de caméra au bout de 40 secondes, mais Camille est déjà en train de gérer ça, il n'y a pas de souci. Le fameux bug de l'année 2018. Exactement, le bug de l'année 2018. Tu te rends compte, ça fait déjà 18 ans qu'on avait peur que la Terre s'arrête de tourner à cause des ordinateurs. Donc, on va débriefer la semaine 10 avec les équipes qui se glissent en play-off et celles qui partent en vacances, les tops et les flops évidemment, vos questions aussi, n'hésitez pas à nous les poser, même sur le chat évidemment. Mais avant tout ça, on va parler actu et on va parler coach viré, premier jingle. On commence l'année avec le jingle qui fout les jetons. Le grand ménage des coachs est lancé. 4 coachs déjà à la porte. On va débriefer ça dans l'ordre. Chuck Pagano a été le premier à sauter. J'ai envie de dire que c'est logique. Et alors, ça a été très très rapide. Ça a été conf de presse d'après-match quasiment. Enfin, ça a eu très très vite. Pagano termine avec 53 victoires, 43 défaites en saison régulière avec Indianapolis. 4 victoires et 12 défaites cette saison. Il les a emmenés 2 fois en play-off, si je ne dis pas de bêtises, sur ces 2 premières saisons. 3 fois. Ouais, je dirais, j'ai un doute. Alors, en tout cas, Il y a la première année où ils sont sortis au premier tour par Baltimore. Ouais. Il y a l'année où ils vont en finale de conf contre les Pats. Ouais. Et je me demande si entre les deux, il n'y a pas une année où ils font demi-finale de conf. Bon, en tout cas, non, je crois qu'ils ne voient pas les playoffs depuis la finale de conf contre les Pats. Hein. Oui, oui, mais ça, c'était sa troisième année. D'accord, ouais. Les trois premières saisons, il me semble qu'il y a play-off, et après, c'est là que ça coince. En tout cas, ça n'a fait que descendre ces dernières années. Ça semble plutôt logique. C'est pas du tout une surprise. On a parlé de potentiel coach viré dans l'émission précédente. C'est lui qui était en une. On avait choisi lui en photo de une. On n'a pas pris trop de risques. Ça semble logique. Après, alors, bon, on va pas discuter du licenciement. Il semble quand même assez justifié. Il avait perdu la main sur cette équipe. Même dans les déclarations, il avait l'air quand même un peu perdu et on sentait qu'il fallait qu'il prenne un peu de repos. Mais il y a quand même un grand chantier qui arrive pour le coach qui va suivre avec la question numéro 1, dans quel état est Andrew Luck ? Parce que c'est quand même l'interrogation numéro 1 avant de prendre ce job, quoi. Ouais, complètement. Alors, parler plus ou moins, je crois que c'est dimanche, mais ouais, les déclarations d'Andrew Luck qui sont un petit peu bizarres concernant son avenir, c'est sûr que ça va être un gros point d'interrogation. Au-delà de ça, il va falloir rebooster un petit peu l'équipe qu'il y a autour. C'était aussi un des gros points d'interrogation et c'est là également où Chuck Pagano a beaucoup failli. Parce que un temps, c'est vrai qu'Andrew Luck avait tendance à cacher les lacunes offensives, on dira, du coaching staff après le départ de Bruce Arians. Mais c'est défensivement, peut-être que Chuck Pagano aurait dû apporter un petit peu plus à cette équipe d'Indianapolis par rapport à ce qu'on avait pu voir avec Tony Dungy et Jim Caldwell dans des défenses qui n'étaient déjà pas extraordinaires mais qui étaient cachées par Peyton Manning. On était dans cette configuration-là. Là, en plus, avec la blessure d'Andrew Luck, on a clairement vu que la défense n'était pas au niveau, était exposée. Et malgré quelques bonnes surprises en 2017, là, c'était le signe vraiment ultime que pour Chuck Pagano, il fallait lui signaler la fin de l'aventure du côté d'Indianapolis. Alors, on va peut-être pas faire les candidats pour chaque équipe parce que c'est un peu les mêmes noms qui reviennent de partout. Et là, on va plus être dans le pronostic bête et méchant. On n'a aucune idée honnêtement de ce qui se passe en coulisses. On n'a pas vraiment d'idée de ce que veulent les gens, les dirigeants en tout cas. Donc, on va être dans le pronostic. Mais là, pour le licenciement de Pagano, c'est pas une grosse surprise. Jim Caldwell, pas une grosse surprise non plus. Non. Même si on pouvait craindre que les Lions soient frileux, hein, ça aurait pas été la plus grosse surprise. En l'occurrence, tu parlais de la fiche de Chuck Pagano depuis son arrivée. Il est resté donc 6 ou 7 ans du côté à la tête des Colts
Et il part avec un bilan positif, donc c'est que tout n'a pas été non plus totalement noir durant sa gestion des Colts. Jim Caldwell, c'est un peu la même chose. Mais là, on est clairement dans une histoire de stagnation. C'est du Marvin Lewis poussé à son paroxysme. C'est-à-dire qu'on fait des saisons plus que correctes du côté des Lions. Mais au final, voilà, ça coince. Et non content que ça ait coincé en playoff lors de sa première année à la tête de Détroit, ça commençait maintenant à coincer dès le mois de décembre, avec pourtant une attaque qui a été clairement élevée par Jim Bob Cooter et Matthew Stafford. Tiens, alors pour le coup, là, on peut se lancer dans un pronostic là-dessus, au sens où Jim Bob Cooter a été cité comme coach potentiel ces dernières années. Est-ce qu'il pourrait opter en interne pour élever Jim Bob Cooter? C'est possible. Encore une fois, quand on voit... Je sais que Matthew Stafford a plébiscité ce choix publiquement. Oui, il voudrait qu'il le garde, oui. Voilà, alors après, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est la bonne solution? À Tampa Bay, même si la situation n'était pas exactement la même, on a préféré promouvoir Dirk Cutter en interne plutôt que de risquer de le perdre. Au final, on se rend compte, la gestion de vestiaire, on a un petit peu pâti. Jim Bob Cooter, il reste relativement jeune. Alors, il y aura toujours la jurisprudence Sean McVay. Ah, maintenant, on va te la sortir à chaque fois. Mais tous les jeunes coachs sont pas forcément... Voilà, il n'y a pas de vérité absolue. On peut être jeune, on peut être vieux coach et ne pas forcément réussir à avoir une bonne gestion, avoir une bonne maîtrise, on dira, du vestiaire qui est quand même, où il y a quand même pas mal d'ego à gérer, mine de rien. Donc, sur le papier, pourquoi pas, on peut garder une certaine forme de continuité. Je sais qu'ils ont aussi interviewé Terry Lostin, le coordinateur défensif. C'est ce que j'allais te dire. Il y a Terry Lostin, le défensif, mais sans se lancer dans les pronos, on peut dire qui ils approchent. Les dernières rumeurs qu'on a relayées sur le site pour les Lions, par exemple, Matt Patricia, coordinateur défensif des Pats, Winston Moss, coach linebacker des Packers, Steve Wills, coordinateur défensif des Panthers, Pat Shurmur, coordinateur offensif des Vikings, et Mike Vrabel, coordinateur défensif des Texans. Donc là, il y a une tendance lourde en dehors de Shurmur. En fait, c'est que des profils défensifs. Ouais. Les dernières pistes, en tout cas, sont très souvent défensives. Il y a le coordinateur défensif des Eagles, Jim Schwartz. Il pourrait le faire revenir, écoute, mais c'est pas dans les plans. Non, il est pas dans les plans, mais en tout cas, ce serait pas bête non plus. Après, l'idéal pour eux, ce serait peut-être de garder Cooter en coordinateur offensif. Ce serait garder un coach qui a déjà éventuellement coaché avec Cooter et qui pourrait éventuellement le convaincre de rester. Voilà, là, ce qui est un peu épineux dans ce genre de situation, et ça s'est vu dans d'autres cas. Je pense par exemple à San Francisco à l'époque où Fangio faisait du bon boulot et qu'on a écourté parce qu'on a préféré miser sur un autre nom. Bon, à l'époque, c'était Tom Sula, en l'occurrence le coach de la D-line. Mais voilà, c'est compliqué quand on a un head coach qui part comme ça et de bons coordinateurs. Si on les garde pas, généralement ça leur donne pas vraiment envie. Enfin, ils sont peut-être pas forcément hyper considérés par la franchise et du coup ils vont aller se proposer ailleurs, pourquoi pas avec Ton choix, ce serait qui? Moi, je serais bien d'accord de prendre un coach à vocation défensive parce qu'ils ont déjà un bon quarterback. Donc à la limite, si tu trouves un bon coordinateur offensif qui continue à faire tourner l'attaque et à ajouter une dimension au sol, ce serait bien. Ça pourrait être pas mal et tu trouves un coach à vocation défensive, genre un Matt Patricia. Je crois qu'il est assez appuyé d'ailleurs dans les rumeurs sur Détroit. C'est pas le nom que tu préfères là-dedans, toi, que je trouve. T'as vu, j'en profite pour placer Steve Wilkes, Mike Vrabel. Vrabel, il est récent aussi, coordinateur. Il a une seule année, même si Wilkes, alors il est head coach assistant de Ron Rivera depuis pas mal de saisons, ancien coach DB, si je me trompe pas, du côté de Carolina. Il est devenu coordinateur défensif que l'année dernière avec le départ de Sean McDermott, donc c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment lui qui a vraiment insufflé cette patte au niveau de la défense, ou est-ce qu'il récupère le bon travail qu'avait fait McDermott avant lui? C'est un peu compliqué à juger. Après, en termes de personnalité, je ne connais pas suffisamment Wilkes. J'ai pas poussé le sujet jusqu'au bout. Après, très franchement, je ne vois pas de différence charismatique absolue entre Jim Caldwell et Matt Patricia. On peut pas dire que Matt Patricia, je suis désolé Camille pour ton sosie, non, mais il pourrait se révéler, il a jamais eu d'équipe, donc on peut pas non plus le savoir. Non, mais bon, tu sens pas non plus une énergie débordante sur le bord de touche. Non, mais après, ça peut se révéler. Trouver son style, c'est pas forcément déborder d'énergie. Oui, mais je sais pas, moi je... Bill Belichick déborde pas d'énergie. Encore une fois, oui, mais je pense que ça reste quand même un meneur. Il a quand même ce côté meneur d'homme également, Belichick, parce que on parle souvent de ce côté un petit peu sur le bord de touche où
voilà, il fait un peu papy comme ça. Je comprends bien, que dans les vestiaires, il doit un petit peu les secouer. J'ai pas l'impression que Patricia ait un peu cette, cette caractéristique. C'est dur à voir tant qu'ils sont pas head coach pour ce genre de truc-là. Ah, écoute, on le verra. Moi, je te dis juste que je suis très sceptique là-dessus. Ils ont quand même enchaîné Schwartz et Caldwell. Alors, Schwartz, pour le coup, était plus énergétique c'est l'exemple contraire. Il est un peu énervé, ouais. Mais je sais pas. C'est pas le choix qui m'emballe le plus à l'heure actuelle pour Détroit. Pour le coup, un Terry Lostin, par exemple, promu head coach, ça me paraîtrait pas hyper déconnant. Jack Del Rio, Raiders, c'était peut-être la plus grosse surprise d'ailleurs de la fournée de coach viré de dimanche lundi. Trois saisons à Oakland, 25 victoires, 23 défaites. Et la rumeur, John Gruden, qui apparaît, ils auraient viré Jack Del Rio très très vite parce qu'ils avaient un plan avec John Gruden. Alors là, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Je le dis assez souvent avec, avec les rumeurs de John Gruden, il faut souvent prendre ça avec des pincettes. Ben alors là, très franchement, si les Raiders virent Del Rio avec de la manière dont ils l'ont fait, c'est-à-dire aussi rapidement, je crois qu'une heure après la défaite d'Oakland, il était renvoyé. Ce qui est assez délirant, c'est que c'est lui qui l'a annoncé. Je parlais de conférence de presse de Pagano, j'ai réécouté le son là tout à l'heure avant de venir justement. En fait, c'est Del Rio qui est arrivé en conf de presse et qui a dit bon, bah, Mark Davis m'a informé que j'étais viré, donc je passe à autre chose. Donc la conf de presse d'après match, c'est même pas une demi-heure après le match. Hein. C'est ça. Franchement, s'ils virent Del Rio de cette manière-là et qu'ils prennent pas Gruden, ils passent un peu pour des clowns pour moi. Pour ajouter de l'eau à ce moulin-là, pour le coup, et pourtant, je suis pas fan du moulin John Gruden à rumeurs, mais si vous regardez le papier qu'on a fait sur le site, et je l'ai devant les yeux, avec les rumeurs de coach, là, je vous ai dit par exemple, les Lions, il y avait 4 noms, les Colts, j'aurais pu vous dire qu'il y avait McDaniels, Matt Nagy, Dave Toub, Chris Richard. Là, il n'y a pas un seul nom. Voilà, les Raiders, il n'y a pas une seule rumeur de ce type-là. Il n'y a pas une seule rumeur de type, ils vont rencontrer un tel, ils ont demandé à rencontrer un tel, ils ont demandé un tel. Donc, dans les faits, ça semble pointer vers ça. Je suis assez d'accord avec toi, au sens où ils passent vraiment pour des pipes s'il n'y a rien derrière. Parce que du coup, s'ils loupent Gruden et qu'ils ont perdu 2 ou 3 semaines à se faire piquer tous les bons candidats par les autres équipes en plus, ils n'ont pas l'air très malins. Donc, Après, je ne suis pas sûr. Enfin, c'est compliqué à dire et ça l'était tout autant l'année dernière, enfin, même s'il y avait toujours les Shannon, les McDaniels qui ressortaient. Je suis pas sûr qu'il y ait des candidats vraiment absolus cette année. Non, je suis assez d'accord. Des coachs où on va se dire tiens, lui il va reprendre l'équipe. Shannon à San Francisco l'année dernière, on pouvait se dire bon, il y a quelque chose, son père a été head coach, là il reste sur une saison vraiment tonitruante avec Atlanta. On pouvait se dire qu'il y avait un souffle nouveau. C'est sûr que là, même des candidats comme Chris Richard, Pat Shurmur, des noms qui reviennent assez souvent, c'est pas sûr à 100% que la sauce va prendre tout de suite. Donc, encore une fois, visiblement, c'est leur volonté absolue. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a l'air de plus ressortir dans les quelques rumeurs qui viennent de Californie. Et alors, je reste toujours aussi sceptique sur Gruden, mais pourquoi pas. Hein, alors, est-ce que ce serait une bonne embauche ou pas? Si on part sur le principe, c'est le seul candidat à l'heure actuelle. Est-ce que embaucher Gruden? Alors, pour démonter un peu le mythe, parce que c'est vrai que depuis toutes ces années, avec toutes ces rumeurs, il n'a pas coaché depuis 2008, donc ça va bientôt faire 10 ans. Tampa Bay, en l'occurrence. Tampa. Les deux postes de head coach, c'est Oakland et Tampa. Oakland de 98 à 2001, Tampa de 2002 à 2008. Les rumeurs et le fait qu'il soit à la télé nous font passer ça comme le mec, le génie, le sauveur qui va venir et reprendre n'importe quelle franchise. Son bilan en carrière, c'est 95 victoires pour 81 défaites. En playoff, il est à 5 victoires pour 4 défaites et il a gagné un titre. Sachant qu'il remporte le titre à Tampa dès sa première saison. Ouais. Et derrière, donc voilà, le bilan, c'est que derrière, ça c'est un petit peu. Et derrière, c'est 7-9, 5-11, 11-5, 4-12, 9-7, 9-7. Parce que alors, moi, c'est ce que j'allais te dire. Ce qui est toujours problématique avec John Gruden, lui en l'occurrence, c'est un meneur d'hommes. Ah oui. Tactiquement, c'est pas là où je m'inquiète le plus. Ancien coordinateur offensif. Ancien coordinateur offensif, tout à fait. Donc, ça, en effet, ça peut être une bonne chose pour améliorer ne serait-ce que le jeu au sol. Alors, Derek Carr, je reste toujours persuadé que c'est sa blessure cette année qu'il a peut-être fait moins bien performer, mais. En tout cas, oui, il y a besoin d'un coach à vocation offensive pour relancer un petit peu tout ça. Mais c'est pas ça qui m'inquiète du côté de John Gruden. C'est que tu parlais de l'affiche à Tampa Bay. Il gagne le Super Bowl la première année. Et ce qui fout après le bordel du côté de Tampa, c'est son entente avec le general manager de l'époque, Rich McKay. Et c'est ça qui provoque vraiment des saisons très moyennes du côté de Tampa. Il me semble qu'il a viré Keyshawn Johnson, je crois, le receveur de l'époque, comme un malpropre. Il avait dû avoir. Voilà, c'est
Je dirais c'est peut-être un Chip Kelly en un peu mieux, John Gruden. Donc voilà, si tu veux, il y a plein de choses que tu peux mettre à son crédit, mais c'est un coach qui peut péter les blancs à n'importe quel moment et du coup bah, troubler lui-même la bonne osmose de son vestiaire, et c'est ce qui me fait un petit peu peur du côté d'Oakland. C'est des mecs qui ont une durée de vie limite. Il y a beaucoup de remarques sur Downing, etc., du côté des Raiders et du côté des fans des Raiders. Faut savoir, parce que, alors oui, les coordinateurs ne sont pas officiellement virés pour l'instant, mais comme tu dis, en général, quand le coach dégage, la plupart du staff dégage aussi. Donc, surtout que j'ai cru voir que John Gruden voulait lui-même appeler les gens en attaque. Exactement. Ah d'accord, je croyais que tu parlais de l'histoire du coordinateur offensif des Jets aussi. Donc a priori, Todd Downing, je sais qu'à Tampa, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est Bill Muir qui appelait les jeux, on va dire plus ou moins en sous-marin, parce que c'était surtout Gruden qui avait la main là-dessus. Donc voilà, c'est un coach avec un ego quand même assez important. Oui, oui. Donc je pense que ce genre de tâche, il va les garder. Encore une fois, je veux dire, quelle que soit la franchise, on ne précise pas à chaque fois tous les coordinateurs virés ou pas. Quand le head coach dégage, c'est qu'en général, ça va dégager pas mal Il y a de fortes chances. Par défaut, voilà, c'est quasiment acquis. Quoi. Après, il faut voir ce qui va devenir de John Pagano, le coordinateur défensif qui avait pris la place de Ken Norton. Oui. Il y a eu des bonnes choses en deuxième partie de saison. Maintenant, est-ce que ça va coller en termes d'humeur avec Gruden? Rien n'est moins sûr. Le dernier, c'est John Fox des Bears. En 3 saisons à Chicago, Fox n'a jamais fait mieux que 6 victoires, et c'était lors de sa première campagne en 2015. D'ailleurs, c'est pas le dernier, John Fox, j'ai oublié, il y en a eu un autre entre-temps. Pas un licenciement en l'occurrence. Donc John Fox qui part, ça par contre c'était assez logique aussi, il y avait une campagne contre lui même dans les tribunes de son propre stade, donc là il faut repartir de zéro. C'est un petit peu ça, stagnation. Il a fait progresser la défense de manière significative, beaucoup grâce à Vic Fangio, qui est un des meilleurs coordinateurs en NFL. En attaque, il n'a jamais réussi à trouver la carburation, et c'est pas le changement de quarterback qui a changé quelque chose. Coach à esprit offensif, là pour le coup, les rumeurs au niveau des Bears, c'est Pete Carmichael. Ah, moi j'avais pas de Schurmur et Josh McDaniels. Ouais, qu'ils ont demandé à voir. Et si tu veux, Pete Carmichael, j'y crois beaucoup parce que Ryan Pace, le general manager, vient de New Orleans. D'accord. Il y a une très bonne. Pete Carmichael qui est. Coordinateur offensif des Saints, pardon. Donc ancien assistant, pardon, plutôt de Mike Loomis du côté New Orleans, Ryan Pace, qui est donc le GM aujourd'hui des Bears. On voit qu'actuellement les Saints font une bonne saison en attaque, avec notamment un jeu au sol qui a progressé. Alors on dira toujours que Drew Brees a aussi beaucoup permis l'amélioration de l'attaque de New Orleans. Carmichael à Chicago, j'y crois pas mal quand même. Même si je pense que ce sera un coach offensif pour répondre à ta question. Et McDaniels ou Schurmur, ça ne m'étonnerait pas non plus. Et ils ont aussi John DeFilippo, le coach des quarterbacks des Eagles, dans leur liste. Donc ça pourrait être clairement offensif. Ils veulent développer du Mitchell Trubisky. C'est ce qu'il faut faire. Ils ont prolongé leur GM de toute façon. Donc ils ont l'air de lui faire confiance sur ce choix de Trubisky. Ils ne le désavouent pas tout de suite. Donc ça va sûrement être de l'offensif. Bruce Arians, Cardinal, lui c'est la retraite, et ça sent la fin de cycle. Alors là pour le coup, évidemment, puisque le coach part, mais avec Carson Palmer et Larry Fitzgerald qui vont peut-être pas avoir envie de rempiler derrière avec un nouveau coach et une équipe qui a l'air quand même en chantier assez largement. Bruce Arians, c'est une retraite officiellement. Il avait l'air très ému. Ouais. En lui conférence aussi, il était quand même pas mal fatigué. Beaucoup de pépins physiques, l'histoire a voulu que Pagano et Arians s'arrêtent en même temps, qu'on sait que c'est deux coachs qui ont des problèmes de santé et qu'on coache en même temps les Colts en 2012. Donc là on était quand même, tout n'est pas acheté dans la saison d'Arizona. Ils ont eu beaucoup de pertes, beaucoup de blessures, notamment en attaque, Palmer et Johnson notamment, et très rapidement dans la saison. Ils finissent pas avec un bilan immonde en plus, par rapport ils finissent à 8-8 avec leur victoire contre les Seahawks, si je me trompe pas. Donc c'est honorable quand même. Oui, c'est honorable. Après on sentait qu'il y avait un petit élan qui s'était cassé quand même depuis leur finale de conférence de 2015. Eux pour le coup c'est hyper large, au niveau de la recherche. Schurmur, coordinateur offensif. John DeFilippo, coach des quarterbacks. Matt Patricia, coordinateur défensif. Brian Flores, coach des linebackers des Patriots. Ils sont les noms les plus originaux. Ils ont Mike Munchak aussi, ligne offensive des Steelers, et Jim Schwartz, coordinateur défensif de Philadelphie. Donc recherche très large sur Arizona. Ce que je trouve pas totalement injustifié. D'ailleurs, très joli t-shirt des Cardinals. Oh non, c'est Bordeaux. C'est pas plus mal. Au moins, on dresse différents profils, et puis en fonction de ce qui colle. Là, on s'intéresse peut-être aux personnalités avant de s'intéresser vraiment à un profil précis. Certes, il faut développer l'attaque, mais comme on l'a dit, c'était surtout un problème de quarterback. Donc, si on arrive à trouver le quarterback et que le head coach en question arrive à bien s'entourer, il n'y a pas de vérité absolue. La défense a globalement fait le boulot cette année. Ouais, puis il y a des éléments. Il y a David Johnson qui va revenir l'an prochain quand même. Donc, ça fait une petite base pas vilaine pour construire son attaque. Il faut surtout renforcer le poste de quarterback et la ligne offensive, globalement. Donc, voilà. C'est pour ça que, par exemple, un coach comme Munchak,
C'est peut-être également dans cette optique-là, voir éventuellement ce que lui préconiserait. Il a d'expérience de head coach, Munchak, au Titans. Dit quelque chose sur les Titans. Il a coaché deux saisons, je crois. Ça n'avait pas été incroyable, oui. Non, bah c'était moyen. Bah, il avait perpétué cette tradition de médiocrité. Exactement. Des Titans, auxquels ils sont très attachés. Il avait poursuivi la continuité de Jeff Fisher. C'est ça, c'est ça. Et il avait bien préparé le terrain pour Ken Whisenhunt et Mike Mularkey. C'est vrai qu'ils ont une. Ils ont du nez. Ouais, hein. Ouais. Ils ont du nez pour les coachs. Si vous êtes un quinquagénaire blanc un peu médiocre dans le coaching, les Titans sont intéressés en général. Et si vous avez une moustache, c'est encore mieux. Ouais, voilà. Mike Mularkey qui a sauvé sa tête. Hein. On va en parler tout à l'heure. C'est vrai. Ouais. Il a failli être dans la liste. Attendre la fin des playoffs, à mon avis. Tiens, un petit mot juste très rapide sur Dom Capers, le coordinateur défensif des Packers, qui est quand même un des gros coordinateurs virés de cette année. Alors, un mot, j'en ai trois. Vas-y. Il était temps. Très bien. On passe au résumé des matchs. Camille digère encore son réveillon. Il a eu un petit peu de mal à trouver le jingle. La machine aussi, visiblement. Allez, le débrief des matchs. On commence avec les Falcons 22, Panthers 10. Les Falcons vont défendre leur titre dans la NFC. Pas de jeu au sol, un seul touchdown, mais c'est passé. C'est beau comme résumé. Voilà. Beaucoup de field goal. Il n'y avait rien, mais en face, il y avait encore moins. Beaucoup de field goal en deuxième mi-temps. Ouais, j'exagère. Il n'y avait rien. Comme tu l'as dit, toujours pas de jeu au sol et c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant. Un Matt Ryan qui rend quand même une bonne copie avec des jeux importants quand il a fallu les faire. Julio Jones également qui, dans le sillage de son match contre les Saints, même si malheureusement offensivement ça n'a pas été très concluant, là il fait une bonne sortie et il arrive quand même à amener le ballon dans la moitié de terrain adverse. Donc voilà, après c'est toujours... Encore et toujours, c'est la même problématique. C'est ce réalisme dans les 30 yards adverses ou dans la zone rouge. Et là, très franchement, ça peut être inquiétant dans l'optique des playoffs. Par contre, à l'inverse, tu avais peut-être enchaîné là-dessus, mais la défense d'Atlanta a vraiment été monstrueuse. Pas beaucoup de turnover. Il y a quand même trois interceptions en lot, dont une à l'ultime seconde de Robert Alford sur un lancer un peu désespéré de Newton. Mais vraiment, voilà, ils ont réussi à couper les trajectoires entre Nick Cam Newton et ses receveurs. Comme en plus, il n'y avait pas de jeu au sol, puisque Newton termine meilleur coureur, ça a rapidement été rédhibitoire pour Carolina. Newton meilleur coureur. Les Panthers sont quand même consternants d'irrégularité. Cam Newton est à 14 sur 34, 180 yards, un touchdown, 3 interceptions. Sur ses 9 derniers matchs, il n'y en a que 2 où il passe la barre des 200 yards à la passe. Pour un quarterback en 2017... 2018 mais maintenant, de toute façon, ça me paraît quand même assez grave. On va pas se mentir, moi ce qui me paraît assez flagrant, c'est que si Carolina doit aller loin, ce sera uniquement grâce à la défense. Là, avec le niveau de cette attaque-là, il va falloir prendre 15 points par match, sinon on passe pas. Hein. Et défense qui n'est pas non plus si exceptionnelle. Enfin, elle est bonne, mais ils ont un gros front seven, mais s'ils tombent sur une ligne très efficace, qui arrive en tout cas à laisser suffisamment de temps, là en l'occurrence, ils vont jouer les Saints ce week-end. On sait que Drombris, il n'y a pas besoin d'une demi-heure non plus pour lancer un ballon. C'est sûr, pour le backfield défensif, ça peut être très dur. Peut-être qu'il va sortir un ou deux gros matchs, mais c'est un peu ce qu'on disait avec certaines équipes. Je ne les vois pas gagner 3 matchs de suite en play-off comme ça. Quoi. Je ne les vois pas non plus. Voilà, c'est les play-offs, tout est possible. Je sais qu'on peut passer pour des clowns à tout moment avec les play-offs et, voilà, et ça fait partie du jeu. Mais à l'heure actuelle, Carolina gagne 248 yards dans ce match. Je sais que la défense de Carolina est bonne, mais elle est dans le top 10, elle fait un bon match. Voilà. Mais quand ils vont jouer Minnesota, quand ils vont avoir Aaron Donald en face, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce cas-là? Ils vont rien faire. Donc voilà, moi je trouve qu'ils sont pas du tout en position de force pour les playoffs, qu'ils sont quand même assez médiocres et que encore une fois leur bilan est très flatteur. Donc ce sera à surveiller. Ça fait partie des équipes dont on va reparler dans les semaines à venir. Donc on va pas épiloguer et on analysera mieux le match-up de la semaine prochaine. Mais je les trouve assez inquiétants. Buccaneers 31, Saints 24. Les Bucks arrachent la victoire en fin de match grâce à un drive de 95 yards. Jameis Winston s'est bien rattrapé après 3 interceptions quand même. Vainqueur de division donc les Saints, mais pas très très convaincant sur cette fin d'année non plus. Hein. C'est marrant, ces équipes là de la NFC Sud. On disait il y a une très très grosse NFC Sud qui arrive en force en playoff. Finalement, bon, les Falcons arrivent, comme on l'a dit, un petit peu clopin-clopant avec une des difficultés dans la red zone. Les Panthers ont une attaque qui est quand même très très moyenne. Et les Saints ont un peu calmé le rythme depuis leur coup de chaud de la mi-saison. Ils se sont essoufflés les uns les autres, tu penses? Je sais pas, mais il y a un truc quand même qui s'est un peu essoufflé. Non, alors ce que je disais la semaine dernière, c'est vrai que j'avais cette perception qu'un upset était possible parce qu'il y avait une dynamique intéressante d'un côté et à l'inverse, une attaque des Saints qui était un petit peu moins bonne. Là, en l'occurrence, l'attaque des Saints...
elle n'est pas catastrophique non plus. Après, on sent quand même depuis plusieurs rencontres que le jeu au sol a un petit peu plus de mal. Le run block en règle générale, j'ai l'impression que notamment Mark Ingram arrive à trouver un peu moins bien les brèches. Alvin Kamara arrive, de par sa faculté à sortir du backfield, à être beaucoup plus dangereux. Mmh. Et là, il doit être, enfin, il est à peine derrière Michael Thomas, je pense, en termes de yards à la réception du côté de New Orleans. C'est cette défense qui a été assez inquiétante avec un Jameis Winston. Qui a arrosé à tout va et qui un coup ça passait, un coup ça passait pas. Bah, manque de bol pour les Saints sur le dernier drive. Il arrive à trouver, j'oublie toujours son prénom, c'est Godwin, mais j'oublie son prénom, je crois. James Godwin. Chris Godwin, merci. Chris. Donc voilà, pour le touchdown de la victoire. Mais c'est une piqûre de rappel importante quand même pour les Saints parce que je vous le disais, il y a. C'est sûrement une des équipes les plus complètes de NFC dans l'optique de ces playoffs-là, mais il y a encore pas mal de secteurs qui sont un petit peu inquiétants, les turnovers en attaque, les trous d'air en défense. Il y a certes des valeurs sûres, type Cameron Jordan, Marshawn Lattimore, mais ces joueurs-là, ils ne sont pas partout non plus. Et voilà, sur un match, on se dit qu'ils peuvent également se louper. Et voilà, encore une fois, vaut mieux que ça arrive à ce moment-là contre Tampa Bay dans un match. Je ne vais pas dire qu'il compte pour du beurre parce qu'il y avait quand même un enjeu avec Carolina qui jouait de l'autre côté la première place de division. Mais vaut mieux que ça leur arrive à ce moment-là plutôt qu'en play-off sur un match au coup près. Bon, on parlait des Saints, on y reviendra le jeudi pour la preview du Wild Card Weekend. Dirk Koetter conservé pour les Buccaneers. On a fait tous les virés, on fera les conserver au fur et à mesure des matchs. Ouais. Drôle. Ce qui est important, c'est qu'il n'a pas été confirmé après, mais avant le match. Oui. Donc c'est déjà, on n'a pas attendu de savoir s'ils faisaient 4-12 ou 5-11 pour regarder. Mais est-ce que c'est pas l'inverse des Raiders? Du coup, eux, ils ont été sûrs qu'ils n'avaient pas Gruden et du coup, ils ont fait bon, bah en fait, on garde. Je sais pas, c'est possible, mais. Parce qu'à la base, Gruden, les rumeurs la semaine dernière, c'était les Bucks, hein, c'était pas les Raiders, on rappelle. Mmh. Donc, Mais j'insiste encore une fois, de ce que montrent les Bucks ces dernières semaines, il n'y a pas de mauvaises choses. Donc peut-être qu'on essaye d'insister sur cette dynamique-là. Après, bon, ça ressemble beaucoup au petit sursaut d'orgueil du mois de décembre. Ouais. On sait qu'il n'y a plus rien à jouer et je ne suis pas sûr que sur les Winston, années à venir... Winston, il a sauvé son coach pour pouvoir continuer à faire tout ce qu'il veut l'année prochaine. Et en fait. Encore, ça aussi, j'insiste beaucoup là-dessus, mais on a aussi gardé Koetter pour sa relation avec Winston et le fait de le faire progresser. Alors, il fait des bonnes stats, certes, mais il lance aussi 50 fois par match avec 3 interceptions assez souvent. Donc ça aussi, je ne suis pas hyper rassuré et hyper emballé en vue de la saison prochaine. Les Seahawks 24, Cardinals 26, 1 sur 12 sur les troisièmes tentatives, 296 yards au total et la connexion Russell Wilson-Doug Baldwin qui a fait fort en deuxième mi-temps mais qui est à peu près le seul éclair d'espoir. Comme souvent, j'ai envie de dire, de Seattle. Et c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un peu un résumé de leur saison, ces stats-là. C'est ça. Le jeu au sol a été présent, mais voilà, presque un peu plus que d'habitude, parce que Russell Wilson n'est pas le meilleur coureur, mais c'est leur saison un peu résumée. Quoi. C'est ça, bah en attaque, c'est quand même assez souvent passe profonde de Russell Wilson pour Doug Baldwin ou Paul Richardson, et puis passe pour Jimmy Graham dans la zone rouge. Ça s'est souvent résumé à ce type de choses. Alors, je ne vais pas apprendre à Camille qu'il faut peut-être un nouveau souffle en attaque, de toute façon. Camille m'a dit avant l'émission, on attendait dans le studio, il m'a dit « j'attends toujours qu'il vire les coordinateurs ». Mais ça va peut-être venir. On voit qu'il y a de plus en plus d'indices qui laissent sous-entendre qu'il va y avoir une reconstruction. Alors, reste à savoir si la reconstruction sera plus ou moins lourde du côté de Seattle, mais j'ai du mal quand même à voir Pete Carroll avec une saison où Seattle a manqué les playoffs, avec le niveau de l'attaque. Alors, il y a beaucoup de choses qui incombent au coordinateur offensif. Il y a beaucoup de choses qui incombent aussi, je pense, à l'organisation en elle-même de Seattle. Quand on voit qu'un joueur comme Alex Collins n'a pas été conservé et qu'il a quand même fait d'assez bonnes choses du côté de Baltimore, après, on se dit, est-ce partout, que ça va ça, le... Hein. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'on lui a laissé suffisamment de temps? Il a été drafté en 2016. Voilà, je veux dire, on ne lui a pas forcément laissé sa chance non plus. On n'a peut-être pas été suffisamment patient. Après, ça sentait la fin de cycle quand même dans les déclats des joueurs et dans l'ambiance générale, parce que quand Bennett sort quasiment directement en disant, bon, bah voilà, j'étais content de jouer ici, c'est que c'est fini, etc., alors qu'il est encore sous contrat, enfin, dans les faits, il n'est pas barré non plus, quoi. Mais après. J'en parle assez souvent, c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même très très compliqué de réussir à gérer autant d'ego dans un vestiaire. C'est vrai et qu'ils ont là, du côté de Seattle, il y en a quand même énormément. Ils sont peut-être arrivés au point de rupture. Quand on voit les déclarations entre Wagner et Thomas, qui ne sont pas non plus les...
j'allais dire mauvais esprit, il faut peut-être pas parler ainsi, mais en tout cas ceux qui s'épanchent non plus le plus dans la presse, quand on voit ce type de choses-là, je pense que ça fait un petit moment qu'il y a ce genre de constatation un petit peu, voilà, la sensation de ce bateau qui tangue avec la gestion de vestiaire. C'est vrai que c'est ce que tu dis, et puis même s'ils n'ont pas fait de bruit, mais cette année ils ont continué quand même, ils ont rajouté un Richardson, sûr, un John Jordan, enfin des mecs qui ont des caractères et des passifs. Et je pense qu'à un moment donné il faut faire un petit peu de tri. Il y a des joueurs où il faut se dire bon, peut-être que c'est pas forcément hyper nécessaire. Il y a énormément de gros contrats dans cette défense. Hein, avec tout le talent qu'il y a avec, mais il y a énormément de gros contrats, donc il va falloir faire des choix, faire moite-moite peut-être, et éventuellement cutter, trader ou prendre des décisions qui s'imposent. Ravens 27, Bengals 31. Les Ravens devaient gagner pour aller en playoff, ils ont échoué, c'est le coup de tonnerre de la semaine. Je laisse un petit blanc antenne pour bien faire comprendre que je l'avais dit dans le fauteuil. Je suis assez content de moi. Touchdown de Tyler Boyd à 44 secondes de la fin pour boucler l'affaire. La défense a lâché au pire moment. Et surtout, l'attaque n'a quand même pas été à la hauteur. Encore une fois, Joe Flacco est à 25 sur 47, 203 yards, 2 touchdowns et 1 interception. Je pense qu'il est safe pour l'année prochaine, mais il est peut-être temps de lui amener une vraie concurrence éventuellement. C'est toujours le plus gros contrat de Baltimore à l'heure actuelle, Joe Flacco. Le contrat mirobolant qu'on lui a signé en 2012, fin 2012, début 2013. Ouais, l'année où il gagne son Super Bowl, de toute façon, il fait ça pour son contrat. Donc, c'est ce que je disais un petit peu en résumé. Ce que je trouve très étonnant sur ce match-là, et ça m'étonne de la part d'un coach comme John Harbaugh, c'est de voir cette équipe de Baltimore mettre autant de temps à rentrer dans un match. Et quand on se transforme en Détroit sur une journée où on joue une place en play-off, ça pardonne rarement. Je te rejoignais quand même globalement sur le fait que Cincinnati au moins allait essayer de se venger par rapport au 20-0 assez cuisant qu'ils avaient pris lors de la première journée. On avait une équipe de Cincinnati qui certes malgré les blessures a été plus tranchant d'entrée. Et malgré la dynamique, Baltimore n'a jamais réussi à vraiment faire le break. Il y a du talent quand même à Cincinnati. Moi, c'est pour ça que je voyais bien pour une upset sur un rival de division. C'est que tu vois, il y a Joe Mixon qui a 96 yards, Bernard à 52, Dalton à 3 touchdowns. Donc, il y a du talent défensif. Enfin, il y a des mecs qui peuvent faire la différence. Donc, moi, ça ne m'étonnait pas grandement que ça se fasse. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même un problème maintenant avec l'attaque de Baltimore où il va falloir trouver un socle sur lequel ils peuvent se reposer. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ne l'ont plus vraiment. Donc, non. Je ne connais pas le niveau de la draft. Après, ce sera toi qui pourras me dire, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre un mec au deuxième, troisième tour pour peut-être éventuellement mettre un peu le feu aux fesses de Flacco, voir si ça produit quelque chose. Oui, ils peuvent le faire. Voilà. Je ne connais pas le niveau du tout des gars qui seront là, mais il va bien falloir faire quelque chose, quoi. Oui, mais c'est sûr qu'il va falloir le rebooster un petit peu comme... Alors, ce n'est pas exactement la même situation, mais comme ce qu'a fait Kansas City l'année dernière avec Alex Smith. Peut-être lui remettre un petit coup de boost. Après, c'est compliqué à dire parce que Baltimore, bien sûr que le mal principal cette année, c'est en attaque. Ce serait compliqué de dire le contraire, notamment le jeu à la passe avec des receveurs qui n'ont pas été là non plus. Une cascade de déconvenues au poste de tight end avec des suspendus, des blessés. Enfin, ils n'ont jamais réussi vraiment à trouver leur tight end starter, ce qui était leur grande force, notamment avec les années d'Ennis Pita ou ce type de choses. Mais c'est vrai que même en défense, on a senti que ça a un peu craquelé sur la fin. Il y a eu cette blessure, suspension de Jimmy Smith qui a peut-être été un petit peu problématique, même si l'intégration de Maurice Kennedy sur le backfield défensif n'a pas été catastrophique. On sait qu'un joueur comme Terrell Suggs arrive sur la fin, même si ce n'est pas le moins méritant. L'annonce un petit peu surprise, là pour le coup, lui était sur la fin, c'est Dean Pease, le coordinateur défensif. Ah oui, j'ai pas fait le coordinateur défensif. Avant la dernière semaine, qu'il prenait sa retraite. En tout cas, il l'a très clairement sous-entendu. Donc voilà, c'est peut-être aussi ça qui me fait dire que est-ce que tout était vraiment au beau fixe du côté de Baltimore pour être pleinement focalisé sur cette 17e semaine et sur ce match important. J'ai du mal à ne pas les sentir concernés sur un match de division. Je dis qu'il y a peut-être d'autres choses qui les ont peut-être un petit peu perturbés également. La conséquence de cette défaite des Ravens, c'est que les Bills sont en play-off, victoire 22-16 contre les Dolphins. On parlait de tanking quand même au début de l'année pour Buffalo, il faut le rappeler, parce qu'ils avaient échangé beaucoup de leurs joueurs majeurs, en tout cas certains de leurs joueurs principaux. Il y a Marcel Darius qui est parti, mais c'était plus tard, mais il y a Sammy Watkins qui était parti et il y a Ronald Darby, qui était parti. D'ailleurs, si tu me permets juste cette petite parenthèse, on rappelle que c'était un échange à trois entre les Eagles, les Rams et les Bills. Ouais. On se demandait qui était dans les cœurs. Bah, moralité, les trois vont en playoff. C'est vrai.
C'est vrai, ça c'est plutôt pas mal. Donc chacun s'est renforcé là où il avait besoin. Donc c'était pas un beau match, mais ils ont fait du Bills en étant solide, en ne perdant pas le ballon et en tuant le match en défense avec une interception en fin de rencontre. Premier playoff depuis 1999. Ils n'avaient pas joué. On parlait du bug de l'an 2000 en début d'émission pour rigoler. Depuis le bug de l'an 2000, ils n'avaient pas joué. Tu te rappelles qu'il était le head coach de Buffalo, parce qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps. De Buffalo en 99? Ouais. Ah, je ne saurais pas te dire. C'était qui? Wade Phillips. Oh oui, c'est vrai. Oh la vache. Alors, l'info principale de ce match, malheureusement pour eux, c'est que LeSean McCoy est touché à la cheville. Donc ça, c'est peut-être la mauvaise nouvelle de la semaine. Mm-hmm. Espérons pour eux qu'il sera à 100% pour leur rencontre de play-off. Mais sinon, c'est mérité. Je veux dire, ils ont fait le boulot. Ils ont été solides. Ils regretteront pas, et heureusement pour eux, ce match où ils ont mis Nathan Peterman qui a balancé 5 interceptions. Mais ils s'en sortent et c'est plutôt logique quoi, au final. Ouais, bah tu le disais, c'est peut-être ce qui est encore plus rassurant, c'est-à-dire que malgré cette défaite, ce match complètement manqué et ce coup de poker tenté par Sean McDermott, Buffalo a quand même réussi à aller chercher la qualif. Ça s'est joué à rien, mais en tout cas, ça veut dire quand même qu'ils ont une petite marge de manœuvre. Faut savoir qu'ils ont, alors, je vais pas dire un quarterback par défaut, mais en tout cas, ils ont quand même réussi à tirer presque l'excellence façon Tyrod Taylor. En tout cas voilà, ils ont vraiment réussi à tirer le maximum cette année avec le peu de turnover qu'il leur a concédé cette saison, et voilà, c'est pas une surprise non plus de les retrouver en playoff. Je pense qu'ils étaient peut-être encore plus méritants qu'une équipe comme Tennessee par exemple qui va également. Et ben tu fais la transition, allez, 15-10 pour les Dolphins, mais là pour le coup il n'y avait pas grand chose à dire avec David Fentz à la barre. Voilà, c'est ça, Jay Cutler qui se blesse rapidement aussi, voilà. Kenyan Drake expulsé au passage. Donc, on va enchaîner sur le Titans Jaguars à 15-10 pour les Titans. Les Titans ont fait ce que les Ravens n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire c'était une victoire en playoff. Eux, c'est la première fois depuis 2008, c'est quand même pas récent non plus. Mariota était clutch en fin de match quand il fallait, il est allé chercher quelques first down à la course, hein. Important à la course. Parce évidemment. Que je parlais d'Arrosoir face au Winston tout à l'heure, Mariota, ouf. Ça n'a pas été le plus rassurant du monde, mais. On va quand même avoir deux des meilleurs quarterbacks de la ligue en playoff AFC, les gars. Hein. Après, c'est vrai que ces wildcards là, elles sont pas folles en AFC avec les Titans et les Bills. C'est pas flamboyant. Disons que c'est le triomphe de la médiocrité joyeuse. Ah non, mais tu peux mettre les Jaguars dedans, hein, parce que Blake Bortles, on pensait que c'était voilà, ça y est, ils avaient réussi à trouver la carburation là, sur deux trois matchs quand même assez vilains. Alors moi, je trouve ça plutôt honnête de sa part. Moi, je trouve que c'est un mec bien. Le type s'est dit... Alors, tu vois, il aurait été méchant. Il aurait dit, je continue à bien jouer comme ça jusqu'au play-off. Je braque la banque tranquillement pendant l'été ou je fais croire que je suis un quarterback légitime et ils vont me garder pendant un an, etc. Là, le mec est honnête. Mmh. En fin d'année, il a dit, bon, écoutez, j'ai fait semblant pendant 12 matchs. Je ne peux pas continuer comme ça. Je vous ai menti. Je vais faire un petit 15-34 pour 158 yards et deux interceptions. Et là, vous voyez que vous devez quand même vraiment prendre quelqu'un d'autre à l'intersaison si vous voulez que cette équipe aille loin parce qu'elle a des belles bases et je veux pas tout gâcher. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. J'aurais pu le mettre en top de la semaine, tu vois. C'est un bel acte de courage et de loyauté de sa part. Il veut que cette franchise gagne, donc il leur montre qu'il est bien pourri quand même à la fin et qu'il avait bien caché son jeu pendant quelques semaines. Mais, pour en revenir à ce que tu disais, ils ont marqué... Il fait un match pourri. Il fait un match pourri. Ils ont marqué leur seul touchdown du match en défense. Donc... Et puis, quel touchdown quand même. Oui, sur un fumble récupéré par Yannick Ngakoue. Sur une copasse décisive de Mariota et Henry. De transmission ratée horrible. Donc ça, c'est fait. Et en effet, comme tu dis, les Jaguars, c'est pas rassurant non plus à l'entame des playoffs. Donc on présentera jeudi ces matchs. Mais c'est vrai qu'en AFC, c'est pas foufou pour l'instant. Et pour vous donner quand même la physionomie de ce match, ça se termine à 231 yards d'un côté, 229 de l'autre. Donc voilà, ça n'a pas très été franchement, on aura le temps d'en parler, mais festival s'il n'y a pas Patriots Steelers en finale AFC, je vois pas trop qui peut les menacer, hein, à part si les Chiefs retrouvent d'un coup leur forme du début de saison. Aussi, mais Chargers 30, Raiders 10, celui-là, c'est une victoire pour rien, et pourtant, c'est dommage parce que Philip Rivers est à 28-37, 387 yards, 3 touchdowns, Melvin Gordon à 93 yards, Keenan Allen à 9 réceptions, 133 yards, 1 touchdown, et ils sont à 7-13 pour les 3e tentatives. Ils ont bien fini. Ouais. Ils ont joué leur chance à fond. Il fallait une défaite. Je crois que c'était Baltimore et Buffalo qui devaient perdre ou un truc comme ça. Donc c'était pas injouable. Malheureusement pour eux, c'est pas passé. C'est dommage parce que quand on voit ces lignes de stats là, on se disait qu'ils avaient un truc sympa à faire en playoff. Bah, quand tu commences à 0-4, ça complique forcément la tâche. C'est sûr que ce début de saison totalement loupé et puis cette mauvaise gestion des kickers en début de saison régulière. C'est ce qui leur joue un petit peu des tours. On parlera également de leur défaite du côté de Kansas City où Philip Rivers s'est passé à côté. Bon, après, il n'y a rien de déshonorant à perdre contre des Chiefs qui revenaient un petit peu dans la course, mais c'est sûr que c'est un match où ils sont vraiment totalement passés à côté. Il y a des bonnes bases, il y a des bonnes lignes, que ce soit offensivement ou défensivement. On n'a pas forcément vu ce que valait encore un joueur comme Mike Williams à la réception, c'est donc vrai, ça peut également être un...
encore une fois assez intéressant d'un point de vue offensif dans les années futures. Après, là, le problème, c'est que Rivers, il va arriver au bout. Ouais. Maintenant, il y a des secteurs qui vont être aussi à travailler. Le run stop a été une plaie permanente en 2017. Donc, voilà. Mais bonne première saison, globalement, d'Anthony Lynn. Il faudra voir. C'est vrai. Et j'ai également la fin de contrat de Gus Bradley, le coordinateur défensif, qui avait signé seulement un an. Ils ont dit qu'ils veulent le garder, d'ailleurs, évidemment. Et je cherchais ce que je voulais dire. Oui, les Raiders, on en a fait pas mal le tour, quand même, avec le coaching. Donc là, on va voir ce qui se donne avec le nouveau coach. John Gruden peut-être. On passe à la suite des matchs. Vikings 23, Bears 10, victoire tranquille sur le touchdown des Bears sur un retour de punt. Sinon, les Vikings n'ont autorisé que 10 points aux attaques adverses sur les 3 derniers matchs. Ouais, bon, ils n'ont pas rencontré des foudres de guerre non plus, non, si je me rappelle bien. C'est la NFL quand même. Ils ont autorisé que 13 yards à Tariq Cohen sur tout ce match. Je crois qu'il a moins 1 à la mi-temps. Donc c'est quand même très très fort en défense. Et derrière, 111 yards au sol pour Latavius Murray, Keenum qui est toujours propre. Enfin, c'est du... Là pour le coup, on parlait tout à l'heure, on disait ils font du Bills. Eux, ils font du Vikings depuis des semaines, mais alors c'est du bon boulot. En saison régulière, c'est du velours. Maintenant, il faut voir en play-off ce que ça va donner pour des joueurs qui ne sont pas forcément habitués à être à ce niveau-là au mois de janvier. Et c'est toujours la même chose, c'est pas illogique comme résultat, mais si tout va bien, ils ont l'avantage du terrain jusqu'au titre, puisque le Super Bowl se joue chez eux. Ils sont deuxième de NFC. Ah oui, ils sont deuxième. Oh, excuse-moi. Donc ils pourraient passer par Philadelphie. Si les Eagles sortent et qu'ils font le boulot, oui, ils peuvent avoir l'avantage du terrain jusqu'au bout. Et si les Eagles sortent, ce qui est pas totalement improbable, vu on va en parler un peu après. Juste un tout petit mot, Trubisky à 20 sur 36, 178 yards. Bon, on l'a dit, il faut un coach offensif pour le développer, quoi. Ouais, au moins on a essayé de le tester, parce que tu disais, les stats 36. De Cohen notamment sont liés au fait qu'on a beaucoup insisté à la passe. Pas beaucoup. Mais bon, c'est encore un match très moyen de sa part et voilà, faut changer. Alors, on le disait, si les Eagles perdent, les Vikings auront l'avantage du terrain jusqu'au Super Bowl et au Super Bowl. Les Eagles pourraient perdre, en tout cas, si Nick Foles continue comme ça. Il a joué que 4 séries pour 4 passes complétées sur 11, 39 yards, une interception. C'était quand même pas très très jojo. Derrière, ils ont fait rentrer Ned Sudfeld. Au final, il marque pas un seul point. Bon, alors les Cowboys en marquent que 6. C'était pas le plus beau match de l'année. Et 6 points, c'est pas sur leur dernier drive qu'ils marquent, les Cowboys Il a marqué à 1 minute 30 de la fin dans le TD de Bryce Butler. Donc c'était un match très vilain. C'est ça. C'était un match très vite. On a frôlé le 0-0, la prolongation. Là. On sait que c'était un match vraiment sans enjeu ni pour l'un ni pour l'autre. Mais alors à ce point-là, c'était quand même assez effarant. Un petit mot sur les Cowboys. Ils continuent avec le même coaching staff, visiblement. Est-ce qu'ils continuent sans Dez Bryant? On parlait de petites rumeurs, de mal-être, etc. Alors je sais pas. Sauf erreur de ma part, le coach des receveurs, Derek Dooley, a pris la porte. Ce qui peut éventuellement ça signifier peut être un mini sursis pour Dez Bryant. En tout cas, voilà, on met la faute sur quelqu'un d'autre, mais bon. Rams 13, 49ers 34, pas de titulaire, pas de victoire pour les Rams. Ils ont encaissé 463 yards au passage. Bon, il n'y a pas grand chose à tirer en attaque sur les Rams. Mmh. On en reparlera quand ils seront en playoff. Les Niners ont répété les gammes. Et les Niners se font quand même du bon avec 292 yards et 2 touchdowns et 2 interceptions pour Garoppolo, 90 yards pour Hyde. Eux, ils ont quand même fait une belle fin de saison pour poser les bases pour la suite, là, quand même. Exactement. Match. Tout n'a pas été parfait de la part de Jimmy Garoppolo, forcément, t'en parlais avec les deux interceptions, mais voilà, l'opposition était telle qu'en face, les Niners ont fini par gagner à l'usure et sont restés vraiment appliqués malgré la blessure un petit peu inquiétante de Marquis Goodwin en cours de match. Oui, il a pris un sacré temps. Avec le gros hit de Blaise Cantes, mais voilà, c'est intéressant pour la suite, 5e victoire de suite et ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre. C'est ça, et puis c'est bon pour eux qu'ils fassent le boulot, même contre une équipe, dans un match sans enjeu. Enfin, ils sont restés concentrés, comme tu l'as dit, ils ont fait le taf. Je pense que là, tous les supporters des Niners sont impatients d'être à l'année prochaine déjà. Il n'y a pas une équipe qui laisse plus d'attente pour l'année prochaine que les Niners. Hein. Ce sera vraiment hyper intéressant à voir. Patriots 26, Jets 6, victoire dans le froid avec un Brady moyen, 18 sur 37, 190 yards, 2 touchdowns. Rob Gronkowski pas ciblé une seule fois. Quelle surprise! Pour la première fois de sa carrière. Quand on sait qu'il avait un contrat, qu'il avait une prime de 2,5 millions s'il faisait 11 réceptions ou au moins 116 yards sur ce match-là. Tu penses bizarrement, qu'ils en sont ce genre aucune de... cible. Non, c'est même pas aucune réception, c'est zéro aucune cible, ouais. Vers Gronkowski. Première fois de sa carrière. Je serais quand même très étonné que Bill Belichick soit allé voir Josh McDaniels en lui disant hey, tu vois le grand 87 là-bas, tu lui envoies rien. Tu penses vraiment qu'il serait dans ce genre de petite mesquinerie là? Bah, c'est possible. Après, il ne faut pas non plus oublier que. Alors, je cite cette stat, il ne faut pas oublier que Gronkowski s'est aussi tiré une balle dans le pied en provoquant sa suspension suite à son coup bas sur Tre'Davious White en cours de saison. Oui. Oui. Donc, il y a peut-être aussi un côté, tu nous as mis un petit peu devant le fait accompli lors du match contre les Dolphins, je crois. Ta prime, tu vas pouvoir t'asseoir dessus. D'ailleurs, c'est pas complètement illogique, mais je serais pas étonné que ce soit la logique de Belichick sur ce match-là. D'ailleurs, en aparté au chapitre prime, on parlait du match des Rams avant où ils ont mis au repos tous les titulaires. Ils ont expliqué que tous ceux qui avaient des primes d'objectifs, ils prendraient soin d'eux.
Donc, je suppose que visiblement, ils ont dû extrapoler les chiffres ou faire quelque chose comme ça pour être réglo. Peut-être moi qui ai un esprit trop pervers. C'est plutôt pas mal. Non, alors là, c'était pour les Rams, je parlais. Après, pour les Patriots, oui. Eux, en effet, tu as peut-être raison sur le fait que, justement, eux, ils l'ont sanctionné pour dire tu nous as mis dedans. Bon, en tout cas, John Lewis est à 93 yards au sol, 40 dans les airs, 2 touchdowns. C'est lui qui a fait la différence, grosso modo, dans ce match. Ils sortent encore des running backs complets, que ce soit lui, Lewis, ou White, ou Burkhead, voilà. En fonction Burkhead, des matchs, ils vont te sortir un running back. Voilà, il y en a toujours 3 ou 4. Gilles Lee, c'est plus en puissance, mais les 3 autres, grosso modo, t'as l'impression qu'ils peuvent un peu tout faire. Et de temps en temps, mais ils en sortent. Je sais pas si tu l'as dit, le match de Brady n'est pas transcendant non plus. Assez étonnant qu'il ait joué les 4 cartons aussi, même s'il y a quelques passes de Brian Hoyer en fin de match. Bon, faudra voir ce que ça va donner. Il est très 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 froid. Il va pouvoir se reposer la semaine prochaine, c'est l'essentiel, on va dire. Et Todd Bowles est conservé aux Jets, on en a parlé dans le fauteuil notamment, bon, on vous invitera à le regarder. Toi, t'étais plutôt comment sur Todd Bowles, je me rappelle plus dans le fauteuil. Je suis pas contre sa reconduction en l'occurrence, vu la saison que viennent de faire les Jets. Après, faudrait pas que ce soit une saison en trompe-l'œil, on va dire, où on est complètement dithyrambique alors qu'il y a encore un an, c'était le bordel du côté de New York. Moi, j'étais plutôt positif aussi. Je pense qu'il faut qu'ils continuent à construire. Quarterback, s'ils arrivent à choper Mayfield, par exemple, ils ont le sixième choix. Du coup, j'ai fait le top ce matin. Donc sixième, c'est pas si bas que ça, et ils ont quand même engrangé de la confiance. Donc, moi, je trouve qu'ils ont le meilleur des deux. Améliorer les lignes également. Enfin, la ligne offensive, oui, bah après, surtout. Il y a quand même plein de boulot. Et hein. gérer le cas Mohamed Wilkerson, parce que je pense que c'est les priorités actuellement du côté des Jets. Deux bonnes théories sur Gronkowski sur le chat. Amine nous dit que c'était fait exprès pour qu'il reste à 69 réceptions, ce qui aurait pu lui plaire. J'aime bien cette théorie. Et Sébastien qui nous dit qu'il a été doublé par les Jets aussi en défense, c'est vrai, et c'est que ça a marché. C'est Gronkowski, c'est vrai. Attends. Il y a une j'insiste encore là-dessus, il y a une différence entre ne pas catcher les ballons parce qu'on est doublé et ne pas être ciblé du tout par Brady quand on est habituellement la cible prioritaire de l'attaque de New England. Il y a quand même un petit fossé, on va dire. Bon, j'espère que j'oublie pas de match, mais comme mes fiches sont imprimées recto verso aujourd'hui, je me perds totalement. Pourquoi c'était ton dernier? Non, il m'en manque encore. Ah oui, tu m'as fait peur. Steelers 28, Browns 24. Les Browns sont passés pas loin. Gros drop de Corey Coleman qui leur a fait beaucoup de mal. Il a dit que ça allait le hanter. Encore une action symptomatique des Browns en 2017. Bon, après, il y a aussi 2 interceptions de Sean Kaiser dans le 4e carton. Donc grosso modo, ils ont encore loupé des occasions. Hugh Jackson garde son job quand même. Je vais le garder pour le flop tout à l'heure, celui-là. Ça marche. Moi, j'ai trouvé la déclaration de Jimmy Haslam. Et les Steelers donc ont déroulé avec leur remplaçant. Landry Jones a fait une bonne fille. 23 sur 27, non? Je l'ai pas devant les yeux pour le coup, mais plutôt propre. Donc eux, ils se préparent pour les playoffs. Même Stephen Ridley, qui prenait la suite de Le'Veon Bell, a fait la différence en début du match. Donc on retrouvera les titulaires en playoff du côté de Pittsburgh. Broncos, Chiefs, 24-27 pour les Chiefs. Évidemment, Patrick Mahomes, 22 sur 35, 284 yards, une interception. Et le drive de la victoire, c'est lui qui a amené au field goal de la gagne. Plutôt pas mal. Joueur qui a quasiment évolué à tes souhaits. Joueur qui a quasiment évolué. T'es déjà allergique à Mahomes, c'est pas bon. Excusez-moi. Non, je disais joueur qui a quasiment exclusivement, ou en tout cas très majoritairement, évolué en shotgun sur ce match-là. Donc visiblement, on essaye d'y aller petit à petit pour le faire jouer avant de le faire jouer derrière le centre. En tout cas, des qualités qu'on connaît de sa part, à savoir des lancers assez fluides, une capacité à lancer en mouvement assez intéressante. Après, il aurait même pu marquer son premier touchdown en carrière sur une course où il met légèrement le pied en dehors de la limite du terrain. Mais comme tu disais, une copie assez propre globalement, plus que ça même. Et il faudra voir l'année prochaine sur des vrais matchs à enjeu comment il arrive à s'en sortir, mais c'est de bon augure et ça relance la question de savoir ce qu'on va faire d'Alex Smith à l'intersaison. C'est vrai. Paxton Lynch, 21 sur 31, 254 yards, 2 touchdowns, 2 interceptions. C'était un peu mieux par moment. Un peu mieux. Il y a ce turnover qui leur coûte un peu cher. Oui, il y a un gros turnover vilain. Et qui offre, je crois que c'est un end-off qui est mal négocié. Ouais. Ça part complètement dans l'autre sens. C'est moins bon que Mahomes, mais bon, c'est un peu mieux. Enfin, voilà, on dirait que c'est le meilleur match de Paxton Lynch depuis qu'il est en NFL. Wow. En même temps, il n'en a pas joué beaucoup, des entiers encore moins. On termine avec les 300 enjeux. Colts 22, Texans 13. Frank Gore encore à 100 yards. Jacoby Brissett à 15 sur 25, 114 yards. Un touchdown. Bill O'Brien reste. Bon, faut espérer que Deshaun Watson revienne au niveau de début de saison. Ouais, et puis il faut espérer que le pass rush revienne parce que là encore très peu de pression. Je crois qu'il y a un sac partagé sur ce match-là. Enfin, c'est voilà, il y a
il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Lions 35, Packers 11. Les Lions sont bien finis. Donc, on en a parlé tout à l'heure un petit peu avec Caldwell. Stafford est à 20 sur 29, 323 yards, 3 touchdowns. Donc, c'est une victoire logique, très honnêtement. Oui, il y avait déjà 23-3, je crois, à un moment donné. Enfin, voilà, Dom Capers s'est dit, je vais sortir par la grande porte. C'est ça. Et je vais ouvrir les vannes. Capers est bien sorti. Et Jim Caldwell, au final, lui, par contre, réussit sa sortie. Mais ça n'aura pas suffi. Giants 18, Redskins 10. Vilain match sauvé par Orleans Darkois et Wayne Gallman. 154 yards pour le premier, 89 pour le deuxième. Sinon, du côté des quarterbacks, je vous livre ces belles fiches. Kirk Cousins, 20 sur 37, 158 yards et 3 interceptions. Et Eli Manning est un beau, très très beau, 10 sur 28 pour 132 yards, un touchdown, une interception. Et si tu les combines, ça peut ne pas faire une mauvaise fiche hein, pour un quarterback. Ah, ça fait quand même un touchdown et 4 interceptions. Ouais, ça fait 30 passes complétées sur Winston, 60 et des poussières. Winston, avec cette fiche-là, il a gagné ce week-end. C'était laid. Les Giants ont profité d'un très bon début de match pour faire la différence et très peu de choses du côté de Washington. On passe au top et au flop. Le top et les tops et les flops de la semaine, le top de Grégory. Mon top, t'en parlais. Quoi ? Non, je faisais un roulement de tambour vocal. Tu m'as perturbé. C'est une nouvelle résolution, c'est ça ? C'est ça, je fais le roulement de tambour vocal. Non, le top, forcément, c'est Buffalo. On en parlait suffisamment. 17 ou 18 ans après, les Bills qui retrouvent les playoffs. Avec encore une fois, dans une saison où tout a pas été parfait et encore heureux, puisque leur effectif reste quand même relativement limité sur certains postes. Mais voilà, c'est de bon augure. Faut pas oublier qu'ils auront deux premiers tours de draft en avril prochain. Donc il y a également des choses intéressantes en termes d'avenir. Et voilà, c'est la preuve que le choix Sean McDermott n'était pas injustifié de la part de Buffalo et c'est intéressant pour eux. Eh bien moi, mon top inclut le tien en fait, parce que c'est pas que les Bills, mais on a 8 équipes en playoff qui n'y étaient pas l'an dernier. Et c'est exactement pour ça que j'aime la NFL. C'est parce que justement il y a du renouvellement et qu'on n'est pas sûr au début de l'année de qui va aller en playoff, qui va être au Super Bowl. Là on voit des Falcons qui étaient quand même très dominateurs l'an dernier, qui survolent la NFC sans mauvais jeu de mots. Ce que je veux dire c'est qu'ils peuvent le refaire, mais ils ont dû s'accrocher pour aller en playoff. Il y a eu du suspense, jusqu'à la dernière semaine et au final j'aime bien ça. Il y a 12 équipes en playoff, il y en a 8 qui ont changé d'une année sur l'autre, donc c'est quand même hyper intéressant à ce niveau là. Non, juste parce que j'y repensais, mais c'est un top qui rejoint mon précédent top. C'est les Bills qui financent la fondation d'Andy Dalton. C'est bien ça. C'est une très bonne initiative, mais voilà, je trouve ça assez drôle que ça arrive juste à ce moment-là. Donc, forcément, pour le remercier d'avoir envoyé la passe de touchdown vers Tyler Boyd. Donc je trouvais l'image assez drôle et intéressante. C'est plutôt cool. Donc pour dire, et donc la fondation d'Andy Dalton a enregistré une hausse des donations en provenance de Buffalo suite à la victoire de Cincinnati qui permet à Buffalo d'aller en playoff. Donc c'est vrai que c'était très sympa. J'ai un deuxième petit top, James Harrison quand même, avec 2 sacks et un fumble forcé pour son premier match avec les Patriots. Du coup c'est un flop pour les Steelers aussi. Oui, décision, enfin t'en parlais la semaine dernière, mais quelle bonne décision de côté de James Harrison juste à ce moment-là. Et puis il est incroyable quand même à son âge, on dirait qu'on parle d'un vieillard, mais en NFL c'est un vieillard à l'échelle de la NFL, surtout pour un linebacker. Après, il a 39 piges. Après on sait que c'est une bête. Mais physiquement il est incroyable. Quoi. Ouais. Il est incroyable, il est arrivé là, il reste une semaine, il joue, il leur colle 2 sacks, un fumble forcé, l'air de rien. Quoi. Donc, mais en même temps, quand il avait fait jouer 15 snaps contre les Chiefs, il sort un sack déjà les Steelers. Donc il était là encore quand même le potentiel. Mais bon, en tout cas, drôle de décision du côté de Au moins New England il était titulaire, ce qui n'était plus forcément le cas c'est du côté des Steelers. C'est vrai aussi, là il y avait de la place. Bon, c'était pas le même esprit. Les Steelers sont des jeunes à développer, ce qui peut se comprendre. Donc voilà, lui il voulait jouer. C'est vrai qu'il peut encore jouer. Il avait ses raisons de vouloir jouer, visiblement. Ton flop. Alors c'est un flop qui est un peu tiré par les cheveux mais qui va devoir être nuancé parce que sinon je pense que je vais me prendre beaucoup de fans sur la tronche. Non, nuance pas, comme ça on fait du buzz. Non, il faut absolument nuancer, je t'assure. À la fin du Buccaneers Saints, il y a eu donc un échange un petit peu musclé que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site Touchdown Actu entre Dirk Cutter et Sean Payton. Avec Sean Payton qui s'est un peu ému à raison du comportement de Dirk Cutter lors de l'agression de Mike Evans contre Marshawn Lattimore au match aller. Alors, Sean Payton a totalement raison de le faire. Mais après, la forme pour chelou, ceux qui ne se rappellent pas, Sean Payton, c'est donc ce coach qui a fermé les yeux devant son coordinateur défensif qui avait encouragé la mise en place de primes pour les défenseurs qui blessaient des joueurs adverses. C'est donc, il est dans son rôle. Je trouve totalement anormal que Mike Evans ait agressé Marshawn Lattimore de cette manière-là au match aller. Maintenant, voilà,
les fans des Saints me diront, et à raison, que les Saints ne sont sûrement pas la seule équipe à avoir ce procédé, en tout cas n'étaient pas la seule à avoir ce mode de procédé là. En revanche, ils se sont fait prendre la main dans le pot de confiture à l'époque, et quand on a été reconnu coupable de ce genre de pratique, on évite derrière devant dire Cutter de se faire passer pour le chevalier blanc. Donc, voilà. Voudrais-tu dire que c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité? Un petit peu. Par contre, j'ai bien aimé, il y a la vidéo sur le site, la forme est vraiment bizarre. Les mecs se serrent la main en se tapant sur l'épaule, genre hey, toi, ouais, ouais, non, toi, non, mais bonne chance à toi, hein, non, toi, bonne chance. Les bien mecs sûr. Se haïssent, mais ils se lâchent pas la main quand ils se serrent. Non, mais bonne chance à toi. C'est vraiment bizarre, les mecs ont une. Bref. Mon flop à moi, alors c'est un petit. C'est pas du tout pour me plaindre en l'occurrence ou quoi que ce soit, mais c'est plus pour l'intérêt général. C'est plus au niveau de la prog de la NFL, c'est-à-dire que les matchs des deux dernières semaines sont tombés sur des jours de réveillon à chaque fois, donc le 24 et le 31. Honnêtement, c'est pas du tout mon propos de me plaindre d'avoir bossé ces jours-là. C'est pas le souci. On peut le dire, hein, Greg, on a passé le réveillon ensemble. On a sorti les ordinateurs sur la table entre le fromage et le dessert pour rentrer les résumés. Honnêtement, ça nous a pas dérangé. Je suis habitué à travailler des jours fériés. Ça fait partie du boulot. On est habitué à travailler la nuit, etc. Mais c'est plus pour l'intérêt, c'est-à-dire qu'on avait l'impression de bosser pour au final pas grand monde et qu'il n'y avait pas cette excitation qu'il y a d'habitude sur les dernières soirées de match. Et moi, c'est un peu ça qui m'a manqué. C'est qu'il n'y avait pas ce côté, voilà, c'est la dernière ligne droite avant les playoffs, il n'y avait pas de match en prime time avec une grosse affiche d'équipe qui pouvait s'éliminer directement. Donc c'est un peu passé au milieu du réveillon de tout le monde, en tout cas en France en plus, parce que les matchs se terminaient vraiment pile au milieu du réveillon. Enfin, le coup de sifflet final était vers 1h30 du matin. Donc voilà, c'était en plein milieu. Même le lendemain matin sur le site, d'habitude, le lendemain matin du dernier jour de la saison régulière, on annonce le calendrier des playoffs, on annonce plein de trucs, lors de la draft, etc. Enfin, il y a une vraie émulation. Et là, on le ressentait moins parce que c'était le 1er janvier, les gens se sont réveillés tard et je peux très bien le comprendre. Et voilà, moi, il m'a juste manqué ce petit rush de fin de saison et j'étais un peu déçu que la NFL ne trouve pas un moyen de bidouiller son calendrier pour passer à côté de ça. Quoi. Sais, alors, peut-être qu'ils se sont un petit peu rendu compte au fil de la saison qu'en termes d'audience, ce n'était pas forcément bon. Et que, ils ont flippé du Sunday Night pour ça, de toute façon. Voilà, mais je me dis, si tu arrives éventuellement à t'arranger avec le calendrier de college football, parce que je pense que voilà, le but du jeu, c'était aussi d'éviter un petit peu une collision entre les deux. Ouais. Pourquoi pas essayer de faire une soirée, genre un samedi ou quelque chose comme ça, ce qui aurait été beaucoup plus intéressant et ce qui t'aurait permis, en l'occurrence, je pense, de te faire un prime time. Donc c'est sûr que là, pas bonne pioche pour eux. Je comprends pas pourquoi ils ont pas cherché à manœuvrer ça avant, parce que. Serait-ce que le 23, par exemple, c'est pas. Jouer à Noël, c'est déjà moins compliqué que de jouer au jour de l'an, je pense, parce que de toute façon, à Noël, c'est un peu comme Thanksgiving, tout le monde est devant la télé, globalement, je pense, aux États-Unis. Et on a vu qu'il y avait le Baltimore et Indianapolis le 23. Tu pouvais très bien te faire une soirée également le 23. Ça aurait pas été. J'étais un petit peu déçu par ça. Et encore une fois, nous on est désavantagés par le décalage horaire parce que les Ricains, pour le coup, le 31, les matchs donc commençaient à 16h, les derniers, 16h20. Donc ils pouvaient aller faire leur soirée après. Mais nous, la soirée commençait quand les gens commençaient à faire leurs préparatifs, se barrer, etc. Donc voilà, c'est un peu dommage. Encore une fois, c'est plus pour l'ambiance. Moi, ça me dérange pas d'avoir fait les résumés. La NFL ne respecte pas l'Europe, tu peux le dire. Hein. Mais ça, on s'en était rendu compte avec le Game Pass déjà. Oui, c'est vrai, on peut dire ça. On va passer sur ce aux questions. Et toutes les questions sont en train de se barrer de la casquette parce que je sais pas pourquoi tu les mets à l'envers à chaque fois. C'est un grand mystère. Parce qu'il faut qu'elles soient droites pendant qu'on fait l'émission. Tu vois, tu veux laisser le cours rapidement. Et après, je voulais faire l'intéressant à la retourner. Donc vas-y, tu peux y aller. On prend vos questions. Je rappelle que si les questions sont trop longues, je les coupe. Exactement. Je préviens à l'avance. Alors, je les découvre. Question de Floriders qui, étonnamment, nous pose une question sur John Gruden. Floriders nous pose une question sur les Raiders. Oui. Des fois, vos pseudos nous surprennent. Question sur John Gruden et les Raiders. Donc, il paraîtrait que son coaching staff offensif, je parle donc de Gruden, sera composé de John Morton en coordinateur offensif et Rich Gannon en coach des QB. Qu'en pensez-vous? Alors vraiment question bien axée. Alors pour la précision, John Morton, il le précise dans sa question, est coordinateur offensif des Jets à l'heure actuelle et aurait déjà été contacté en amont avec John Gruden. Alors Rich Gannon, pour le coup, en coach de quarterback, je ne sais pas, parce que sauf erreur de ma part, il n'a pas d'expérience en coaching à l'heure actuelle. Il est consultant télé, non?
Oui, il me semble aussi, ouais. Donc voilà, il a été son quarterback fin 90, début 2000, donc à la période où il était. Mais, En fait, Gruden se balade dans les locaux d'ESPN et NFL Network. Exactement, pour chercher des coordinateurs à l'heure actuelle. Tous les consultants. C'est dommage, John Lynch est déjà pris, parce que l'année prochaine, il aurait fait un carton. C'est vrai. Jack Crash, dans quelle mesure la possible perte de leurs deux coordinateurs à l'intersaison pourrait impacter la prochaine saison des Patriots? Ils s'en remettent toujours de ce truc-là. Je ne sais pas. Et puis, comme je le disais dimanche, je serais très étonné que les deux partent. Oui, c'est vrai que toi, tu t'appelais sur un seul. À mon avis, c'est le premier qui part, qui a son droit de sortie. C'est le premier qui a un gros contrat juteux qui s'en va, mais je serais étonné que les deux s'en aillent. Après, je pense qu'on va miser peut-être sur la continuité. Il y a Chad Oshie, je crois, qui est coach quarterback à New England et qui serait amené éventuellement à prendre la suite. Tu parlais de Brian Flores tout à l'heure, qui peut éventuellement être un choix pour, en défense. Ça va reposer sur de l'interne, je pense. Et vu que Belichick dit tout. Oui, oui. Bon. Ouais. Question suivante. Alors, question de Onutan 2015. Que pensez-vous de Landry Jones? Est-il la relève de Big Ben? Est-il la relève de Big Ben? Tu l'as vu? Tu réponds à cette question? Moi, je serais pas persuadé, mais. Je suis assez sceptique également. Je pense qu'il jouera pas Cleveland toutes les semaines non plus. Allez, question de V. Alors, celui-là, il est dur de pseudo. V4LOV4G4. J'ai l'impression que c'est notre mot de passe Wi-Fi. Parmi tous les coachs interviewés ou pas, quels sont ceux qui représentent le haut du panier, ceux que chaque franchise en galère de head coach ou en souffrance dans un secteur vont absolument vouloir s'arracher? Alors, c'est une bonne question au sens où on a beaucoup parlé de candidats, on a beaucoup parlé. Après, le fit et selon l'effectif joue beaucoup. Mais toi, si aujourd'hui tu es GM, tu as une équipe, parmi tous les candidats, c'est qui ton préféré? C'est vrai qu'on n'a pas vraiment abordé cette notion-là. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est très compliqué de sortir vraiment un candidat hyper clinquant. C'est vrai qu'il n'y a pas de mec évident, je suis assez d'accord avec toi cette année. Je vais te marteler les mêmes. Hein. Un Chris Richard, peut-être pour la gestion du vestiaire, et encore Camille le sous-entendait, c'est vrai qu'il fait la moue d'ailleurs. Je le balance. Il n'est pas très convaincu par son impact dans la gestion de la défense des Seahawks, mais peut-être après... Franchement, je sais pas. Il n'y a pas de nom qui m'emballe à l'heure actuelle. Il faudrait que je fasse des filets rapidement. Même un coach comme Todd Haley, qu'on a beaucoup critiqué au niveau de l'attaque de Pittsburgh, et a raison, parce qu'il y a des matchs où il est passé à côté. Là, on sent qu'il arrive quand même à faire progresser sensiblement son équipe. Après, son gros problème, c'est que il est ingérable, c'est peut-être aussi ce qui est problématique. Question suivante. Question de Aaron the Best. Pensez-vous qu'avec le changement de coordinateur défensif, Green Bay sera capable d'aller chercher un titre la saison prochaine? Je pense. Ça dépend du coordinateur aussi. Exactement. Vu qu'on ne sait pas qui embaucher. Il y a des rumeurs sur Vic Fangio, surtout qu'a priori, c'est pas impossible qu'il quitte Chicago avec le licenciement de John Fox. Ce serait pas un mauvais coup, là. Si c'est Vic Fangio, en effet, de toute façon, dès qu'il y a Aaron Rodgers, ils sont candidats au titre. Hein. Oui. Donc, si en plus il y a la défense, c'est... du surplus. Maxime nous propose un gage pour les pronos. Hommage aux Bills pour leur qualification après tant d'années de disette. Boire une bière cul sec puis sauter sur une table en l'explosant. Pas obligé que ce soit celle du podcast. Alors oui, on va pas faire ça avec celle du podcast, je vous le dis tout de suite, parce qu'on en a tellement chié pour la montée. Là, je me permets pour une fois d'être vulgaire, mais alors vous pouvez demander à Camille comment on a sué. Je me rappelle avoir été en sueur sur les vis de cette... Pareil, je voulais pas dire un gros mot, mais je hais tellement cette table que jamais je ne la détruirai. Quoi qu'il arrive, si demain on ferme le studio, je l'emporte avec moi et c'est ma table de chevet géante. Je sais pas, mais je la garderai toute ma vie maintenant. Et non, on va peut-être rester sur un truc un peu plus sobre que la bière et de toute façon, pour moi, la condition, elle est simple. Il faut faire une liste de gages et la proposer à Raoul pour savoir ce qui les va le plus. Tu sais que je suis à égalité avec lui, hein. Oui, c'est vrai, mais bon. J'ai un peu peur. Je sens le coup de poker sur un match de playoff où ça va lui péter à la figure. All-in sur les Titans. Allez. C'est tellement ça. Je mets 10 points dessus. C'est à toi ou à moi? Vas-y, à toi. Question de Rob Bears. On entend beaucoup dire que le successeur de John Fox sera un head coach offensif qui saura se concentrer sur le développement de Mitch Trubisky et son entourage. Quel serait, selon vous, le head coach le plus à même de le développer sur le marché? Ça rejoint un petit peu. Et là, nous te renvoyons à la première partie d'émission. Voilà, c'est ça. Question de Fidel Gastro. Quelles sont, selon vous, les chances de voir Anthony Mangou sélectionné lors de la prochaine draft? Question qui revient souvent. Très bonne question. Anthony Mangou, receveur français à l'université de Purdue, pour ceux qui n'ont pas suivi. Ça m'embête parce que j'ai pas envie d'être critique vis-à-vis d'Anthony. Greg dans sa tête est en train de dire est-ce que je suis critique ou est-ce que je fais du buzz ou est-ce que je suis sympa? non, alors il a fait une très bonne fin de saison avec Purdue, avec notamment le touchdown de la victoire qu'il a offert contre Arizona lors du Foster Farms Bowl, et très franchement sa fin de saison
joue clairement pour lui et voilà, aura de la valeur vis-à-vis des scouts. Après, on est quand même sur une position hyper athlétique où les scouts appuient vraiment là-dessus. Et malheureusement, je pense qu'il ne sera clairement pas dans le haut du panier par rapport à d'autres receveurs. Il ne faut pas non plus mettre de côté le fait qu'il a eu quelques problèmes de drop cette saison. Et si déjà, il n'y a pas l'athlétisme et qu'en plus, il peut y avoir des soucis de drop, moi, j'aurais tendance à dire à l'heure actuelle que je le considérerais plus comme un futur non drafté à qui on va sans doute donner des chances au camp d'entraînement. Mais je ne suis pas encore dithyrambique au point de me dire « Tiens, peut-être que comme Moritz Boehringer, par exemple, l'Allemand qui avait été drafté il y a 2 ans par les Vikings, il peut être drafté maintenant. » Ça peut changer, mais je n'ai pas cette impression à l'heure actuelle. Question, allez, c'est à toi, ouais. Vas-y, tu peux la lire, ouais, hein, si tu l'as ouverte. Allez, Tars Velder, bonne année à toute l'équipe. Parmi les équipes qui ont fait les playoffs l'année dernière et qui ne les ont pas faites cette année, quelles sont celles que vous voyez capables de rebondir et pourquoi ? Raiders, Texans, Dolphins dans la AFC, Packers, Cowboys, Seahawks, Giants, Lions dans la NFC. Qui rebondit ? Allez, juste un nom, bon, Packers évidemment. L'année prochaine ? Ouais. Avec Vic Fangio et Texans, oh, c'est intéressant ça, Texan. Avec un Deshaun Watson et JJ Watt de retour évidemment. Tout à fait. Comment expliquez-vous l'incapacité des équipes de la AFC Est à construire une bonne attaque, ce qu'arrivent à faire les Patriots, et c'est la principale raison de leur domination de la division. Éternel débat. Hein. Jouent-ils contre des clampins dans la AFC Est? Ils ont des mauvais dirigeants. Allez, une dernière. Alors, quelles sont selon vous les équipes les plus décevantes cette saison au vu des attentes, bien entendu? Exemple, Raiders, Ravens, Seahawks. Je ne l'ai pas dit, la question est d'Alexandre Nico. Bah, Raiders. Bon, les Seahawks quand même. Ouais. Bon, voilà, ils n'ont pas eu tous les... Il y a eu des blessures en défense. Mais bon, ne serait-ce que j'en parlais tout à l'heure, l'organisation, peut-être la manière dont a été construite l'attaque, pour moi, c'est quand même une petite déception. Les Ravens me semblaient un peu milieu du panier en AFC. Les Raiders, j'avais déjà annoncé avant que j'étais un petit peu mitigé, notamment sur Marshawn Lynch. Disons que c'est le buzz. Les Seahawks, je les attendais quand même en plus. C'est plus le buzz que les niveaux d'attente réels qui ont tué les Raiders. Oui, je pense aussi. Ouais. On profite pour préciser que Raoul Villeroy est avec nous par la pensée et le chat, j'avais oublié, parce qu'il a mis « Ah, j'aime bien, moi j'aime bien ce gage », donc on parlait de la bière et de casser une table. Donc visiblement, il fournira le mobilier, hein, parce que moi je... D'accord. Voilà. Et all-in sur les Titans, ok, donc pour vous, je suis un fou malade. Voilà, donc bon, oui. Il a mis Cleveland à Chicago, non ? Il n'y a pas si longtemps que ça ? Oui, c'est vrai, j'avais changé. Alors, Raoul ? Merci beaucoup. Le poste de kicker est-il le plus sous-estimé, notamment pour son impact sur le bilan des équipes moyennes ? Par exemple, un excellent Gano ramène plusieurs victoires à Carolina, quand un médiocre Walsh en fait perdre plusieurs à Seattle. C'est question de Clint Eastwood. Ah bon ? Ah bah bonjour à lui alors. Non, c'est Clint East, plus loin Twood. Ah ! Désolé. Ok, pourquoi pas ? Bah évidemment. Non, bah, oh, bah, avec l'extra point rallongé, maintenant, si, c'est capital. Ah oui, dans ce sens-là, oui, non, mais sous-estimé, non, bah, je ne suis pas sûr. C'est difficile quand même de sous-estimer l'impact d'un kicker. On se rend compte de plus en plus, quand tu vois par exemple Jake Elliott et son field goal de 60 yards, ne serait-ce que les polémiques qu'il y a eu lors du dernier Pro Bowl pour savoir si un Greg Zuerlein devait y être, pourquoi Justin Tucker n'y était pas, il y a une certaine compétitivité, mine de rien, à ce poste-là, et en effet, des résultats qui... tiennent à rien. Je parlais des Chargers dimanche contre Miami, par exemple, en deuxième semaine, et le field goal manqué par coup. Voilà, quoi. N'empêche, il y a 10 kickers solides, titulaires indéboulonnables en NFL. Je dis à vue de pif parce que j'ai pas du tout les noms en tête. Ouais. À peu près. Il y a quand même un marché si tu formes des bons kickers actuellement, non ? Parce que au final, il y en a quoi ? 2-3 par an qui sortent de fac, t'as l'impression, qui arrivent en NFL. Ouais, il n'y en a pas tant que ça. Et encore, c'est toujours pareil. Enfin, les plus attendus, enfin, les meilleurs exemples que j'ai en tête, c'est un joueur comme Nick Folk, par exemple, qui est sorti de la fac. Je crois qu'à l'époque, il était aux Cowboys ou aux Jets, je ne me rappelle plus. Cowboys. Mais, enfin voilà, je veux dire, on attendait énormément de sa part et finalement, il voyage d'équipe en équipe. Il y a Ricky Aguayo. Roberto Aguayo, ouais. Oui, pardon, Ricky, je comprends avec son petit frère qui est à Florida State. Oui, Roberto Aguayo qui vraiment était un monstre en college football, qui a quasiment rien loupé, qui en NFL passé à côté. Et exemple typique, il y a un ou deux ans à Pittsburgh, un joueur vétéran comme Josh Kobe qui passe complètement à côté, qui a une énorme carrière en NFL et qui loupe tout. Et un joueur comme Chris Boswell qui arrive d'université non drafté. Et c'est voilà, sélectionné au Pro Bowl cette année, un des kickers les plus réguliers en NFL. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être les Américains aiment bien l'entrepreneuriat. Il y a peut-être du blé à se faire à faire une académie peut-être. De kickers un peu costaud, quoi. Tu parce peux. Que franchement, ah bah, en Europe, je pense qu'on peut en sortir quelques-uns. Et puis c'est même. Ça, d'Europe, nous, on peut en lancer. C'est là notre ticket pour la NFL aussi, bah avec la France. Là. On prend, tu vas voir un match de foot, celui qui frappe tout le temps au-dessus des buts, tu vas le voir à la fin du match. Je peux te dire que les London Marmites, ils vont en mettre des field goals de 90 yards. Exactement, voilà, exactement. Non, mais je t'ai dit, tu vas sur un terrain de foot un dimanche comme ça. Le mec qui met que des trucs
au-dessus de la transversale, tu vas le voir, tu fais, j'ai un boulot pour toi. C'est bon, j'ai trouvé ton tu truc. Tu seras meilleur dans un autre sport. Voilà, je t'ai trouvé une reconversion, mon gars. Allez, petit 2-minute warning méga express avec des questions spécialement pour toi, Greg. La première, qui sera le premier choix de la draft, vu que maintenant on connaît l'ordre et que ce sera les Browns. Oh là là, t'es dur. Attends, on connaît pas tous les joueurs qui se présentent. Ah, c'est le lendemain de la saison. Allez, Josh Rosen. Le peuple veut savoir. Josh Rosen. Josh Rosen, c'est fixé. Donc, Baker Mayfield sera-t-il un Jet? Je sais pas. Sa prestation n'a pas été extraordinaire hier, mais pas déshonorante non plus. Tout dépend du nombre de quarterbacks qui se présentent, mais il peut être un top 10. Et puis, John Bademosi a-t-il déjà verrouillé l'Oscar du meilleur acteur pour son flop contre les Jets? Ça, c'est pas lié à la draft, mais quand même, il fallait qu'on pose la question. J'aurais pu le mettre en top, mais oui. Il était beau. Avec ce spike de Robbie Anderson qui lui rebondit sur le casque. En deux temps. Il prend une première fois, et puis là, il réalise qu'il doit faire un truc. Il se jette derrière. C'est magnifique. Ah, c'était fabuleux. C'était superbe. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 222 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview des playoffs. Oh mon Dieu, on rentre enfin dans le... J'aime bien cette période parce que c'est enfin la période où tu peux voir chaque minute de chaque match. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même compliqué de les voir 16 par... Sinon, on ferait l'émission le vendredi, je pense. Le temps qu'on, je pense aussi, le temps qu'on les voit tous. Donc voilà, là, on va enfin pouvoir tout voir chaque minute. Ça va être encore plus intense dans l'émission et dans les débriefs. Donc on vous remercie. Donc, vous avez été plein à suivre le live. Vous êtes plus nombreux à 15h qu'à 17h. Alors moi, j'y comprends plus rien. C'est l'effet vacances. On a un nouveau créneau. Voilà, je sais plus. Moi, j'y comprends plus rien du tout. C'est comme ça que se termine. Donc le 222, on se retrouve jeudi. L'épisode du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Toutes mes excuses, j'ai oublié de le dire au début. Le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On tous les dimanches à partir de 19h. Ce dimanche, il y a un match à 19h. Ouais, donc ça devrait le faire. Voilà, je cherche ça. Mais... Formidable Jacksonville Buffalo. Et ben voilà, et ben comme ça vous pourrez boire pour oublier en même temps. Oui, c'est ça. Bon. Si vous avez un doute, de toute façon le calendrier est sur le site. On a rajouté une petite rubrique Playoff 2018 dans le menu, comme ça vous pouvez pas le louper. On remercie Loïc Goyet qui nous a fait un super design là-dessus. Il y a mon boss, vous remercie, je pense, voulait dire Thierry. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui doivent nous regarder du boulot. C'est peut-être pour ça qu'il y a plus de monde à 15h. Ouais. Les gens sont sur Facebook du taf. Et en fait, à 15h, ils voient un truc. Oh, bah tiens, il y a une émission. Bah, c'est bien, moi, je serai pas dans le RER cette fois. Je vais me mettre à l'aise. Ouais, ça se trouve, il y en a qui ont enlevé leurs chaussures, là, tranquille, tu vois, qui ont les pieds sur le bureau. Ah là là. Bon, en tout cas, on vous remercie et vous avez raison. De toute façon, c'est mieux de nous regarder que de bosser. On vous remercie. Si vous nous soutenez sur Tipeee, merci beaucoup. L'objectif loyer est remis pour le mois de janvier. On remercie Pepito et Sergio 1248 qui se sont ajoutés cette semaine. N'hésite pas à regarder vos mails hein, si vous avez demandé des contreparties, si vous n'êtes pas encore passé à l'antenne. Alors, pour les passages d'antenne, si vous êtes déjà passé les autres années, pour l'instant, c'est en stand-by hein, pour faire un deuxième passage. On donne la priorité à ceux qu'on n'a pas encore fait. Mais on a envoyé des mails, donc devrait y avoir des passages d'antenne dans les semaines à venir. Pour nous suivre, touchandactu.com, @tdactu, @yellowradiosa, @camille sarabène, @alainmatei, ça c'est sur Twitter. Et on vous dit donc à jeudi. On vous remercie de nous avoir suivis si c'était en direct. On vous remercie de nous écouter si c'était en podcast sur iTunes, sur SoundCloud et sur toutes les autres plateformes de podcast. Je crois qu'on est sur Deezer. Bref, en tout cas, et si on n'y est pas, envoyez-leur des mails pour qu'ils nous y mettent. Mais je crois qu'on est sur Deezer. Bon, en tout cas, merci à vous de nous suivre. On vous dit à jeudi. Merci beaucoup, Grégory. Merci à toi. Merci, Camille. À jeudi. Très bonne année à tous. Bonne année. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliato risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.